obéir et survivre. Ouais, avant j'étais un vrai connard. Le pire flic de la ville, c'était moi. Tous ces mecs en costard cravate, j'avais la haine contre tout le monde. Depuis que ma femme m'a trompé. Mais j'étais au-dessus des lois. Je faisais ce que je voulais. Alors je me vengeais. J'étais une ordure. J'étais pire que n'importe qui. Mais j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un de bien. Oui, sauver les gens, protéger ma ville, c'est ça, ma vocation. Ouais, on peut dire que je suis de retour. Ouais, toujours en retard. Ah, v'là le dernier. Bien, maintenant que vous êtes tous présents, on va pas perdre plus de temps. Écoutez, nos services de renseignement nous obligent à tirer la sonnette d'alarme. Nous collaborons étroitement avec la LSPD, le NOOS, et malgré nos différends, nous sommes amenés à travailler avec l'IAA. Nous avons envoyé un agent dans les quartiers Est. C'est un de nos membres du FIB les plus compétents et accrochez-vous bien, c'est le jackpot. Armes, drogue, proxénétisme et voitures ultra sportives. Il y a 100% d'argent sale là-dedans et beaucoup de vie en jeu. Mais c'est pas tout. En parallèle de toutes ces affaires, d'après nos sources, on nous informe que de futures attaques terroristes seraient liées à eux et se produiraient à Los Santos dans les prochains temps. Pour le moment, le SWAT est au courant de la menace, mais uniquement vous êtes au courant du trafic en cours. Vous devez intercepter toute menace potentielle. D'après nos indiques, les grandes têtes du réseau vont arriver par avion dans les prochains temps. Surveillez l'aéroport de la plus grande intensité. Restez prêt à intervenir lorsque John Kropp vous donnera le signal. Bon courage. Eh bien ça y est, on y est les amis. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, ici Agent Mkolo. J'espère que vous allez tous très bien, parce que pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le retour, vous l'avez compris, et j'en suis très content, de LSPDFR sur GTA V, où nous allons donc incarner un policier. Et les amis, je suis trop content de pouvoir vous reproposer ce genre de vidéos. Les amis, c'est des vidéos qui vont être plus travaillées que d'habitude, je vous le dis à l'avance. Donc ce sera pas des vidéos très régulières. Le but du jeu, c'est que je vous fasse des belles cinématiques, du beau gameplay, du beau RP comme il le faut. Donc j'espère que vous allez kiffer, et pour ça je vous demande un petit pouce bleu si vous êtes motivé pour les prochains épisodes. Et nous on est parti directement. Donc vous l'aurez compris, nous incarnons Agent Mkolo bien évidemment, et nous sommes étroitement liés avec des agents secrets qui nous donneront des renseignements au fur et à mesure de l'aventure, en fonction de l'avancée du scénario que j'ai un petit peu inventé. Voici notre véhicule et voici notre petit checkpoint que je vais un petit peu vous présenter. Mais les amis, regardez, laissez-moi vous introduire aussi ce gameplay. C'est que nous allons patrouiller avec mon G27, tout simplement. Hop, que voici. Donc je vais pouvoir rouler avec mon G27 de manière totalement RP. Qu'est-ce qu'ils nous font là, les gens là? Ils font déjà n'importe quoi. Ils font déjà n'importe quoi. Alors attendez, oui, parce que déjà il y a des plots et visiblement ils ont pas l'air d'apprécier. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, attendez. Oh non, attendez, il y a quelque chose sur la route. Il y a quelque chose sur la route qui dérange. Eh, mais c'est dégueulasse. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez, les amis, je sais pas ce que c'était. On va faire genre qu'on n'a rien vu. J'ai enlevé. J'ai pas tout à fait compris. Bon, écoutez, donc on est parti pour la petite patrouille. Alors, ce qu'on va faire, déjà... Alors, non, alors, eh frérot. Reviens.
on va le contrôler lui. Ouh là là, il fait des trucs bizarres, on va le contrôler lui. On va le contrôler. Arrête-toi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire mon checkpoint. On va faire le tour, suis-moi. On va se mettre en sécurité parce que je le sens pas du tout lui. On va se remettre sur la route. Et il va nous suivre. Il va nous suivre parce que je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout, donc vous allez voir un petit peu mon checkpoint. Le but du jeu, c'est de sécuriser l'aéroport du mieux que possible. On va se mettre quand même sur la file de droite, hein, ce sera quand même bien mieux. Hop, on va faire le tour et vous allez très vite comprendre un petit peu ce que j'ai fait. Et ce que nos équipes ont fait finalement. Pour le moment, il obtempère. En tout cas, il nous suit. Ok, lui, il a failli... Il est complètement con à traverser comme ça. Complètement con. Bon, allez, on va un petit peu accélérer. Il a l'air de bien nous suivre. Voilà, parfait. Et on va se mettre, vous allez voir les amis, tout en sécurité. Hop. Il pourra pas nous échapper en théorie. Voilà. Allez, on dégage. Attendez, on va passer par le trottoir. Parfait. Donc là, voilà les amis, le petit checkpoint. Donc avec des plots, des cabines. Ici, il surveille avec les jumelles. Ici, on a la brigade motorisée. Et là, on va rentrer. Donc là, ça rigole pas, évidemment. Il y a le SWAT. Et il y a aussi l'armée qui est là en appui, tout simplement, à cause du coup de la menace terroriste qui pèse par ici. Hop, donc on va se mettre là, dans le petit checkpoint. Il pourra pas nous échapper, vous allez voir. Hop, tranquillement. Et puis là, on a tous les véhicules derrière qui traînent avec le FIB. Parfait, on va s'arrêter ici et on va faire un petit contrôle. Bon, on va quand même garder la matraque parce que il m'a quand même rentré dedans. Bonjour monsieur, ça fait longtemps, c'est le premier contrôle, félicitations. Allez, donnez-moi tous vos documents s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de savoir qui vous êtes. Ah, monsieur Joy Cross, tu ne veux pas me donner ton assurance et l'enregistrement, enfin ta carte grise en gros, tu ne veux pas? D'accord. Ça, c'est pas votre véhicule. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas votre véhicule. Hein. Bon, on va faire un petit plate check. Ok, Central, est-ce que vous avez quelque chose pour moi pour ce véhicule? 62 LSR8 22. Pas d'assurance, pas de carte grise. Et on ne sait pas à qui appartient le véhicule. Ok, bon, c'est définitivement... Donc, son véhicule n'est pas enregistré. On va juste faire une vérification sur le bonhomme. On va se reculer quand même. Donc Joy Cross, est-ce que vous avez quelque chose sur lui? Ok, il est pas recherché. Rien d'anormal, ok. Donc c'est juste un problème de véhicule. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va lui demander. On va lui demander... hop. Vous conduisez sans registration, là. Sans carte grise, du coup. Ok, donc vous l'avez acheté à un ami. Ouais, bah ça, on s'en fout. Il faut une carte grise, en fait. Et l'assurance? C'est trop cher. Ah, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, les assureurs... Non, attends, on n'est pas là pour ça. Mais non, mais c'est pas une raison, les gars. C'est pas une raison, donc ça monsieur ça va pas le faire. Déjà on va devoir immobiliser le véhicule. Vous allez sortir du véhicule. Ça va partir sur une immobilisation hein, déjà de quoi qu'il arrive. On peut pas appeler votre assurance puisque vous n'avez pas d'assurance. C'est pas compliqué. Donc ce que vous allez faire en fait, vous allez tout simplement attends, on va lui poser des questions d'ailleurs. Où est-ce que vous allez là? Ah bah vous alliez chez votre ami justement. Ça tombe bien, bon bah écoutez. Est-ce que vous vivez ici? Non. Ah, bon bah monsieur, vous allez vous débrouiller, vous allez partir. Vous allez repartir, vous appelez un taxi, vous faites ce que vous voulez. Vous vous débrouillez, et pour ce qui est du véhicule, eh ben, on va tout simplement appeler la fourrière. Hein. Le bonhomme le retrouvera dans la fourrière. Tac, 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 hop, voilà. Ça dégage, et c'est une première opération plutôt réussie. Bah, du coup, le monsieur, il en profite pour garder un petit peu les véhicules, il a complètement le droit. De toute façon, c'est bien surveillé, donc il peut rien faire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, bah voilà. J'espère en tout cas que vous avez kiffé tout ce qui s'est passé. Le véhicule a été pris, c'est bon. C'était très rapide. Ah bah, le voilà. Voilà. Parfait. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Voilà, très bien. Bon, il est un petit peu débile. C'est pas grave, on va le laisser se débrouiller. Bon, et bah nous, les amis, on va faire du coup de nouveau un petit tour de l'aéroport. Hop, tranquillement. Et puis, on va tout simplement répondre aux appels. Le but du jeu, évidemment, c'est de protéger tout le monde. Et de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, menace terroriste ou non, vous l'aurez compris. Le monsieur roule sans casque là devant nous là. Hein. Attendez, le... Hep, 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 il klaxonne tout le monde en plus. Il roule comme un sauvage. Il est complètement fou lui. Ok, on va s'occuper de ce motard, on va s'occuper de lui. Il est passé où? Il est là. Parce que là, ça peut être très dangereux. En plus, il roule sans casque, il met en danger tout le monde. Mais il est fou! Arrête-toi! Il est complètement fou lui. Vous inquiétez pas monsieur, je m'occupe de lui. Ok. On dirait qu'il veut pas s'arrêter. Tu t'arrêtes!
Pardon, bah oui. Bah oui. Là, là, ça va pas le faire, monsieur. Vous allez me suivre. On va se mettre sur le côté, là. On va se mettre sur le côté. Tranquillement. Allez, suis-moi. On va se mettre sur le côté. Bon, on va pas se mettre à notre checkpoint. Ça sert à rien. Parce qu'en moto, de toute façon, il peut quoi qu'il arrive nous échapper. Donc, on va faire les choses bien. On va se mettre dans un petit coin. Hep, hep, hep. On nous laisse passer des fois ou. Je croyais que la police était prioritaire. Ouais, c'est... on a dû me mentir. Bon, on va se mettre là. Voilà, tranquillement. Allez, tu bouges pas. Bah là, je pourrais appeler un collègue en fait pour le traffic stop. Mais dans tous les cas, il y a tellement d'unités sur place que ça sert à rien dans notre cas. Bonjour monsieur. Petite matraque. Eh, hey, on est aux États-Unis, hein. On est un petit peu intimidant. Monsieur, reviens. Oh putain, ça y est, ça c'était sûr. Ça part sur un délit de fuite là. Ça part sur un délit de fuite. Enfin, refus d'obtempérer en tout cas. Allez, on y va. Course poursuite. Ça fait vroom vroom. C'est parti, on y va. Course poursuite avec le G27, les amis, ça va être très impressionnant. On va juste éviter évidemment de tuer quiconque. Il a pris à gauche ici. Il va essayer de nous feinter. Bon, il y a beaucoup d'unités sur place et ça, c'est vraiment pas mal. C'est peut-être un petit peu d'ailleurs exagéré. Ok, on a évidemment nos collègues motorisés de roue. Là, ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Il va faire plusieurs tours. Ok, on va le bloquer. On va le bloquer en sens inverse. On va le bloquer en sens inverse. C'est très dangereux la manœuvre à faire, mais on va le faire. En plus, il n'y a personne, ça tombe bien. On va faire un barrage routier. Ah putain, il fait le même circuit à chaque fois. Il fait le même circuit à chaque fois. Ok, ça va être compliqué. Ok, on va attendre, il va revenir. Il va automatiquement revenir. Je prends la responsabilité d'attendre. Et j'ai bien fait puisqu'il revient. Il revient. On va faire un barrage. On va faire un barrage et on va se permettre de le taser. C'est dangereux, c'est pas bien. Il arrive. Oh putain, je l'ai foiré. Ok. Faut surtout pas faire de coup de feu, hein, parce que là, c'est un effet de panique. Allez, on y va. Ah non, il va revenir en fait. Non, attendez, il va revenir ce con. On va attendre. Soyons stratégiques. Il y a tout le monde qui court dans tous les sens. Oh, il y a des motards renversés. Oh, il y a eu un accident là-bas. Ok, il revient. Ok, on va le tacler, pas le choix. On va devoir l'écraser. Enfin, on va le faire tomber de la moto en tout cas. En plus, il reste plus que moi là. Allez, vas-y, viens voir. Oh le bâtard. On va y arriver. Allez. C'est parti maintenant. Pas le choix. Putain, il roule sans casque, il est malade lui. Allez, on y va. C'est bon! Tu t'arrêtes! Relève-toi, les deux mains en l'air! Ok, refus d'obtempérer. Arrête-toi! Lève-toi! Les deux mains en l'air! Mets-toi à genoux, tu te mets à genoux! Tout de suite, à genoux! Waouh, le zbeul! Reste à terre! Malade celui-là! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation! Pour refus d'obtempérer, course poursuite, mise en danger de la vie d'autrui, conduite complètement intolérable et non port du casque. Et tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Allez monsieur, on va se mettre sur le côté. Ah là là, le coup dur, allez contre le mur. Voilà. Bon, on va vite dégager la circulation. Non, ce qu'on va faire ici, on va pas toucher, on va mettre ici. Une barrière et on va dégager la circulation. Qu'est-ce qu'ils nous font là les gens là? Il y a tout le monde qui se rentre dedans. On va vite dégager la circulation. Hop. Ah, c'est le taxi qui fait de la merde depuis tout à l'heure. C'est le taxi qui fait de la merde. Ok, c'est bon, la voie est dégagée. Là on va faire pareil. Ah pardon. Ça c'est un collègue qui vérifie que tout va bien. Ok, bon, nous on va s'occuper du monsieur là. Qu'est-ce que c'est que ça? Super chelou lui. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? On va le... Bah, tu sais quoi? Vas-y, fouille-le. Fouille-le, collègue. Ouais, c'était chaud quand même. Il a fait 4 fois le tour du... Ouais, 4 fois le tour de l'aéroport. Et il rigole pas, le monsieur. Hein. Bon. Il avait de la drogue et sinon, rien de bizarre. Bon, très bien. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça sert à rien de lui poser des questions. Il est complètement chelou, ce mec. Parce qu'on va faire directement, on va lui appeler un police transport. On va pas se prendre la tête. Ah, attendez, on a eu sa carte d'identité, donc on va pouvoir demander
On va pouvoir demander au central s'il est connu des services ou pas. Non, il est pas recherché. Il est super bizarre. Bon, on va lui appeler, voilà. Emmène-le. Hop. Tu vas l'emmener tranquillement. Et puis, moi, je vais m'occuper de libérer tout ça. Voilà, parfait. Et je vous retrouve juste après, les amis, quand ce sera plus le bordel, évidemment. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, la rue est dégagée, la moto est en train de repartir. Bon, il y a encore des taches de sang à nettoyer, mais ça va être les services évidemment qui vont s'en occuper. Ma voiture est un petit peu abîmée, mais bon, on va devoir faire avec malheureusement, hein, forcément, le fugitif. Fallait bien le tacler, sinon on aurait évidemment jamais réussi notre coup, voilà. Et bien on va pouvoir repartir les amis en patrouille directement au niveau de l'aéroport, en attente d'une intervention. Trafic ANPR report, high value stolen vehicle located. C'est pas très loin, c'est pas exactement l'aéroport, donc on va prendre cette mission. Donc c'est un véhicule qui a été détecté sur les radars, donc l'ANPR, en fait c'est des caméras que j'ai aussi sur mon véhicule mais que j'ai pas activé pour cet épisode parce que c'est pas nécessaire hein, du coup. Et en gros ça scanne les plaques d'immatriculation qui sont recherchées et lui visiblement il est recherché, en tout cas il est enregistré dans les services de police pour avoir été un véhicule volé. Voilà, donc globalement le gars qui est dans le véhicule, en théorie, c'est pas son véhicule. En théorie, je dis bien. Donc on va aller tout de suite le toper. Ah non, mais il est sur le pont. Mais putain, il est sur le pont. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Non, on peut pas. On va pas pouvoir. On va annuler, on peut pas. On va demander une autre unité pour s'occuper de... Code 4, ouais. Il y aura une autre unité qui s'en occupera. Nous, on va revenir au niveau de... Vous savez quoi? On va continuer la patrouille par ici. Hop, je passe devant le bus. Voilà, on va continuer tranquillement la patrouille par ici, aux environs de l'aéroport. C'est très très bien comme ça, mais là sur le pont, là on n'est plus sur l'aéroport, hein. Là vous l'aurez compris, c'est un petit peu plus délicat. Bon les amis, j'espère que vous kiffez, franchement j'espère que vous kiffez, parce que moi je peux vous dire que ça me fait du bien et que je prends un réel kiff. Ça fait des années, il y a quelques années je faisais déjà du LSPDFR, et après j'ai arrêté parce qu'il y avait trop de bugs, trop de problèmes, etc. Et maintenant que tout est plus ou moins à jour, que ça fonctionne mieux et que maintenant j'ai pu faire le pour et le contre de quel plugin est inutile, et prendre la ressource pour rien, voilà, on est sur un jeu quand même relativement propre que j'ai fait moi-même. J'ai pris toute une après-midi à faire tout ça et je suis trop content. Donc on est vraiment très très bien à ce niveau-là. Bah nous on va faire demi-tour là, hein, parce qu'il se passe absolument rien par ici. Et c'est plus vraiment notre zone. Hop, on va faire le petit demi-tour des familles qui passe bien sans prendre le trottoir. Impeccable. On est des professionnels de la route. Allez, ça repart. Ça repart. Faire attention, bien sûr, aux véhicules de luxe. Hein. Ça, c'est un ordre qui nous a été donné. S'il y a des voitures qui ont l'air stylées, faut pas hésiter à les contrôler parce que ça peut faire partie du réseau de trafic de voitures, de trafic de drogue, de proxénétisme, tout ça. Tout est lié, en fait. Donc voilà. Oula. Le véhicule de taxi était signalé. Mon avis, il doit être en mauvais état, mais on va le laisser tranquille. On n'est pas là pour ça. Là, dans les parkings, il se passe absolument rien. Ah, de nouveau un ANPR, un véhicule. Ouh, les occupants sont recherchés. Ça fait complètement partie de notre mission. Et ils sont juste là. Donc on a un véhicule qui est enregistré. Et que comme quoi, donc, ces occupants sont recherchés. Donc ce qu'on va faire, on va pas y aller avec les sirènes. Hein, de toute façon, ils savent très bien qu'ils sont entourés de policiers. Donc ça va pas les étonner, c'est le véhicule rouge. Et on va tout simplement essayer de les contrôler de manière... On va faire gaffe, hein, parce qu'on sait pas pourquoi ils sont recherchés par contre. Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce que nanani nanana? Est-ce qu'ils font partie du réseau de trafic de drogue? Et donc des attaques terroristes aussi? On ne sait pas. Peut-être aucun rapport. Peut-être ils ont juste volé un magasin de bonbons. En tout cas, ils vont très très vite. C'est un petit peu relou. Donc ce qu'on va faire, hop, on va se mettre derrière, on va prendre la plaque. Et juste pour vérifier, on va faire une vérification de véhicule avant de les arrêter pour voir que c'est bien eux. Ok, pas de carte grise. Mais par contre, les occupants sont recherchés, c'est ça le vrai truc. Hein. On s'en fout de la carte grise, hein, j'ai envie de dire. Alors, on peut faire genre qu'on va les contrôler parce qu'ils ont pas de carte grise. Ça peut être pas mal. Après, faut voir s'ils nous croient ou pas. Ils font le même tour depuis tout à l'heure, ce que je trouve assez bizarre. À mon avis, ils font du repérage. Ou alors, ils ont compris qu'ils se faisaient suivre. Je sais pas combien il y a d'occupants, mais on va devoir les arrêter. Allez, c'est parti. En plus, on est près du checkpoint, donc ça, c'est parfait. Messieurs, soyez gentils. Ouh, ils se mettent sur le côté. Ouh, ils se sont mis sur le côté. Ok, ils se sont mis sur le côté. Et ça, c'est pas trop mal. Ils sont deux, hein. Je vais appeler une unité pour me protéger quand même. On va quand même appeler une deuxième unité, mais malgré tout, hein, on va quand même, voilà.
pour être bien en sécurité, comme ça lui il est prêt. Ok, bougez pas, messieurs, dames. On va prendre, eh ben vous savez quoi? Hop, on va prendre le fusil à pompe qu'il y a dans mon véhicule et je vais le, voilà, comme ça je vais pouvoir le prendre. Qu'est-ce qu'il fait le collègue? Bon, il va venir d'une minute à l'autre, vous inquiétez pas, on va y aller. Hop, on a le fusil à pompe et on va s'approcher tout doucement. Ok, 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 panique, 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 panique. Au secours. Évidemment. Là, c'est la merde, c'est la merde, les collègues. On n'est pas bon, on n'est pas bon, là. Coup de feu, coup de feu, coup de feu. Ok, ça part en cacahuète. Putain, les collègues, ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Ils sont passés où? Là-bas. Oh là là là, je suis tout seul, je suis tout seul. Ok, une neutralisée. Ok, on va essayer de l'arrêter. Ce serait vraiment stylé. Jette ton arme. Pas le choix. On n'a pas eu le choix. Oh mon dieu. C'est bon? Tout le monde est neutralisé? Là, faut faire gaffe. Hein. Faut juste faire gaffe au retour de situation. Ok, tout a l'air bon. On va directement appeler les ambulances. On va mettre ici un panneau pour les piétons. Bah, il est où? Là. Scène de crime, évidemment. Ok. On va garder le fusil à pompe. Bah non, du coup, on va pouvoir le ranger. On va ranger. Regardez, ça, c'est stylé. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Tac, tu te mets là. Et tu fais store shotgun. Hop. Et ben voilà. On n'est pas trop mal. Bon, et ben c'était compliqué. On va fouiller le véhicule. Putain, du coup, on a buté les... C'est toujours compliqué, ce genre d'intervention. Ok, ils avaient de la cocaïne. Et encore de la drogue. Enfin, le bong, là, pour... Je m'y connais pas. Je ne m'y connais pas là-dedans. Wow! Calme-toi, quand même. Bon, ok, bref. Ils étaient recherchés, à mon avis, pour drogue. Ça, c'est clair. Et on va appeler directement la dépanneuse, là, parce qu'il faut qu'on libère tout ça. Ok, ils ont tenté une réanimation, je crois, et ça n'a pas marché. Ok, ils n'ont pas réussi. Bon, en même temps, je ne l'ai pas loupé. Hein. Lui, je ne l'ai pas loupé. Donc, ce qu'on va faire... On va fouiller le cadavre. On va fouiller un petit peu ce qu'il avait. Eh ben, il avait un revolver. Ça, c'est franchement, comme si on n'avait pas remarqué. Claude Da Silva, très bien. Et ici? Est-ce qu'ils vont réussir à la réanimer? Ce serait stylé, hein. Ce serait ultra stylé, hein. Attends, je vais pas me mettre là parce que... Oh, 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 ils ont réussi. Ils ont réussi. Ok, attends, on va passer sur la para. Ok, il l'emmène. Bon, j'aurais aimé quand même pouvoir faire mes contrôles directement, mais bon, c'est pas grave. La dépanneuse est là. Impec. Ok, bon, tout est bon du coup. On a une vie de sauvée d'ailleurs. Ça, c'est plutôt stylé. Nous, on est là aussi pour ça. Notre véhicule, il est cassé, donc ça tombe bien. On va le mettre juste derrière le commissariat de l'aéroport. Et on va changer de véhicule, les amis. Hop. On va se mettre tranquille ou bilou là. Je vais signaler le mécano qu'il faudra me changer ça parce que là, c'est un peu compliqué. Hein. Elle est quand même dans un sale état. Bon, les amis, je vous dis à tout de suite pour une de nos dernières interventions, probablement. Allez, je suis de retour, les amis. Là, j'ai fait une petite patrouille carrément dans l'aéroport en lui-même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un autre véhicule. Putain, il m'a fait peur, le collègue. Voilà, on fait des petites patrouilles aussi au sein même de l'aéroport. Et pour répondre aux questions, les amis, attendez, juste, j'avais réalisé un truc, c'est que j'ai accès au clignotant, regardez. Je trouve ça trop stylé. Ok, on a une poursuite à l'intérieur même. À l'intérieur même, on va directement y aller. J'ai déjà un collègue sur place. Ok, allez, on y va. On y va pour la poursuite et je ferai l'outro de la vidéo en vous expliquant quelques trucs sur les prochains épisodes. Par contre, il faudrait que ça s'ouvre. Allez, on se dépêche. Bon, on va falloir défoncer la barrière. Pas le choix. Allez, c'est parti. On va se joindre à la poursuite. Il va quitter l'aéroport en plus. Il quitte l'aéroport totalement. Il a passé le checkpoint sans problème. Coup dur. Ok, il y a les collègues sur place. Ouh là là, il y a eu de l'accident là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, en contresens. Allez, on y va. On a un collègue qui l'a juste derrière. Ok, c'est la brigade motorisée. Ça tire, il y a du coup de feu, ok. Allez, ça dégage.
Ok, on a un motard à terre, motard à terre, motard à terre, je répète. Emmenez l'ambulance. On a encore le dernier motard sur le coup. Oh là là, mais il se prend tous les coups de feu dans la gueule, quoi. Il se prend tous les coups de feu dans la gueule. Allez, on y va, j'ai pas une voiture de ouf. Oh, le motard derrière, il revient, il est trop chaud. Allez, on y va, on va y arriver. Je demande une unité supplémentaire pour dans la ville. Motard à terre, attention. Ouah, attention, mais là, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé de ouf. Ok, je demande, ok, c'est pas bon du tout, là. On veut le SWAT sur place. Besoin du SWAT. Ah oui, je pensais pas, j'avais pas vu ça comme ça. Attention, madame. Ok, bon, là. On tire dans les pneus. On peut tirer aussi sur les gens, hein, directement. Ok, il y en a un à terre. Occupez-vous d'eux. Faut s'occuper de la voiture. Ok, on a le SWAT qui est sur place, ça y est. Le SWAT s'est joint à la poursuite. Ok, je pensais pas que ça allait autant partir en cacahuète, en fait. Allez, on y va, les gars. On y va. Putain, ils sont dans la ville, c'est méga dangereux de ouf. Abattez le chauffeur, les gars. Oh là 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 là. Chauffeur touché. Ok, mais ils sont des millions, hein. Aïe. Il faut le SWAT. Encore. Ouais, ils me font mal en plus. Ok, là, on est vraiment. Ça n'a plus rien à voir avec l'aéroport, les gars. On est dans la mouise. Ça, c'est eux, c'est les terroristes, hein. Ils font partie du groupe, c'est obligé, hein. On n'est pas là pour penser à ça. Dégage, toi! C'est bon. C'est ultra dangereux ce que je fais. Je me sacrifie pour tout le monde. Ok, c'est bon. Arrête-toi! J'ai plus de balles. On va compter sur les collègues. Ouah, ils étaient 6. Ils sont tous, c'est bon? Oh là 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 là, ok. Il faut vite barrer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Faut vite barrer la route. Putain, j'ai envoyé une fusée de détresse. Attends, on va te dégager. Voilà. Faut vite barrer la route. Là, c'est une scène de crime. Totalement. Ok. Enfin, c'est une scène de crime, tu m'as compris. Voilà, on va vite barrer, on va s'occuper du reste. Oh, mon dieu, c'était chaud de ouf. Une scène de crime comme ça, moi je veux plus revivre ça. Bon, merci collègue, hein, de m'avoir assisté. Heureusement, on travaille tous étroitement. Donc il y aura une enquête. Il y aura une grosse enquête derrière tout ça. Il va se calmer, hein. Oh, T'arrêtes! Ça va là? Hein? J'ouvre la porte, tu vas faire quoi? Malade lui! T'arrêtes maintenant! Sans déconner. Bon, bref. C'est bon. Ok, non, c'est le SWAT. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Il y aura une grosse enquête, hein, parce qu'à mon avis, tout doit être lié en effet au groupe terroriste et au trafic. Hein. C'est obligé. Hein. C'est obligé. Ça y est, les coroners arrivent, ils prennent un petit peu leur temps, mais ils sont là. Ils arrivent. On va les laisser faire leur boulot et puis on va dégager la route juste après. Nous, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Ils n'ont pas respecté le cadavre. J'espère que vous avez kiffé, les amis, cet épisode. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vos pouces bleus. Et alors, ce que je voulais dire vraiment, c'est que bien évidemment, il y aura de tout et de rien en termes d'épisodes. Je vais faire en sorte de tous bien les travailler, mais voilà, il y aura des patrouilles à vélo, il y aura des épisodes spéciales course-poursuite, des épisodes où on sera en banalisé avec la LPR, donc la petite caméra qui scanne les plaques d'immatriculation, plein de trucs comme ça, des enquêtes, de l'aide à la personne, voilà. Il y aura vraiment de tout en fonction des call-outs, donc ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez être régalés, nous on va se régaler, c'est le but du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous et ça me fait plaisir ce retour sur LSPDFR. Ciao tout le monde !